Bonjour! Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ouais, fantastique. C'est chouette parce que les gens reconnaissent le rendez-vous. Tout le monde est déjà là. C'est très, très chouette. Écoute, la température, Jean-Yves, c'est tellement. Ça fait tellement du bien. Enfin! Enfin! Avec les bonnes nouvelles et tout, en tout cas, c'est très chouette. On touche du bois. Ben, regarde, sérieusement, parlant des bonnes nouvelles, 2 secondes, avec, si tu t'amuses à aller voir sur Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, les données COVID, vous allez constater que si on compare l'an dernier, on n'est pas à mes placements tous, on est beaucoup, beaucoup plus bas, puis t'as l'immunité de masse qui est une réalité, des gens qui l'ont déjà eu, t'as le vaccin qui apparaît avec la masse de monde qui se fait vacciner, l'été va être beau. Fait que ça regarde bien. Ah! Super. Même si on déconfine, même si on a des terrasses qui s'ouvrent, tout ça, on va être correct. Moi, je suis sûr. Je te l'ai dit, parce qu'on a été frappé tellement dur à la première vague et que, bon, il y a une notion d'immunité de masse par les gens qui l'ont déjà eu, dont on ne parle jamais dans les médias, mais quand tu l'as eu, tu l'as eu, c'est tout, là. Plus la collection de gens qui sont vaccinés. Regarde, c'est un souvenir. Par contre, attends-toi à l'automne prochain, puis après tous les automnes, on va avoir une saisonnalité qui apparaît, un petit bloc, tout, comme la grippe. Moi, je m'y attends. Pour tout savoir, on s'informe auprès de toi. Mais non, mais en fait, pour avoir l'heure juste. J'essaie. Donc, je répète parce qu'il y a, il y a des questions qui te sont adressées, puis on y répondra. C'est un peu la même forme qu'on a faite la semaine dernière. Puis il y a quelqu'un qui voulait savoir comment renverser l'ostéoporose. C'est ton prochain sujet C'est le dans ton prochain. prochain. Merci d'aborder le sujet. Écoute, c'est le prochain webinaire. On peut. OK, je vais faire tout de suite une mise en garde. C'est sûr que si quelqu'un est rendu, tu sais, avec des os de cristal, là, super fragiles, il a déjà cassé une première fois, il y a 85 ans, je ne sais pas ce que je peux faire, là, tu sais. Mais prenons la même madame de 85 ans qui a juste un premier diagnostic. Attention, vos os sont fragiles. Alors là, c'est sûr qu'on peut faire de quoi. Peu importe l'âge. Si on n'a pas déjà une pathologie ou une prise de médicaments qui fait que mes os sont en train de se dégrader, ça se renverse. OK? Ben, Ça moi, se renverse. les os, c'est pas. Tu sais, tu m'as appris qu'on pouvait nourrir les os. Ben En oui, même c'est un temps. tissu vivant. Tout ton corps est. Les seules places qui ne sont pas vivantes au sens propre, c'est tes ongles et tes cheveux. Puis encore là, tu peux les nourrir, tu es bien placé pour le savoir. Alors. Ton corps est fait pour se recycler. Alors, le prochain webinaire, c'est santé des os. C'est pas juste ostéoporose, c'est vraiment santé des os. Puis, je vais aborder toute la problématique du diagnostic, des traitements médicaux, des facteurs de risque et de ce qu'on peut faire. Et des exagérations aussi sur le sujet. Ah, le discours émotionnel, là. Écoute, moi, j'ai énormément de. OK. Ah. OK, là, ce que je vais dire est peut-être un peu gros, au sens où moi, j'ai horreur quand un professionnel, quel qu'il soit, utilise un discours émotionnel pour faire convaincre quelqu'un. Donnez-moi un discours factuel. OK, d'accord, on parlait de chiffres. José Blanchette, quand on parlait du cancer, c'est exactement ça qu'elle disait. Donnez-moi des chiffres, on va discuter comme des êtres intelligents. OK, je conçois que dans la population, il y a des gens qui ne sont pas équipés pour discuter comme ça, mais j'insiste pour que le professionnel, qu'il soit pharmacien ou autre, me donne l'heure juste et pas un discours émotionnel, vous allez casser madame. T'as des autres petites vieilles. J'ai lu ça, ce discours-là. C'est pas vrai. Non, et tu sais, parce que Pierre Haddad, ton ami, tu nous as introduit, qui est chercheur, tout ça, mais Absolument. aussi dans les plantes, aime pas la notion d'anti-âge. Là, nous, on va parler de pro-âge, Jean-Yves. C'est OK. ça le On va mot. nous allons trouver un bon terme que je n'ai pas encore trouvé, qui, Pro-âge. ben, pro-âge, c'est que il y a quelque chose de pas beaucoup mieux là-dedans. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la notion qu'on colporte avec l'anti-âge, c'est réduire les maladies associées au vieillissement. Ou si tu préfères, la prévention ultime. Parce qu'un jour, je vais mourir, c'est clair. Je vieillis, c'est normal. Est-ce que je peux vieillir en santé avec le sourire aux lèvres, puis me rendre au bout, puis dire à ma blonde, regarde, on a-tu fait un beau chemin? On a fait un beau chemin, ben, on se reverra de l'autre bord. Et pas être malade pendant 20 ans, là. Puis être capable de se déplacer, être capable d'être autonome, être bien, se lever le matin puis être bien, être heureux, avoir le Écoute, sourire aux dans lèvres. notre environnement, là, Michel, ma conjointe, a une tante qui s'appelle Gisèle, la région de Sherbrooke, si elle nous écoute. Bonjour, Gisèle. Et toute la famille, d'ailleurs. Elle a 100 ans, madame.
Et si tu rencontres cette madame-là, un, tu ne sauras jamais qu'elle a 100 ans. C'est une petite madame, excusez l'expression, là, mais super allumée, active, elle bouge, elle tient son appartement. Oui, elle reste dans un environnement où il y a des services, mais elle tient maison, la madame. Elle a 100 ans, puis elle est active. Puis on parle parce qu'on s'adresse, tu sais, on commence à penser santé quand on commence à avancer en âge. C'est là, on veut garder tous nos moyens. Mais ce qu'on dit, bien se nourrir, tu sais, se supplémenter comme il se doit, ou tu sais, bouger, tout ça, si on fait ça à 25-30 ans, on passe à travers la vie aussi sans heure, tu sais, sans... On traverse les phases de la vie, fait qu'il y a quelque chose qui se bâtit. Et si... Parce que j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on parle des perturbateurs endocriniens et d'un environnement sain. Qu'est-ce qu'on peut créer autour de nous? Moi, j'ai mis un souhait et t'es le premier à l'avoir mis de l'avant. Puis j'en ai reparlé publiquement la semaine dernière. J'ai envie que la plateforme, tu sais, Maison Jacinthe soit un média où on peut adresser, dans le cadre de la loi, évidemment, mais ces alternatives. Et t'es le premier à apporter le flambeau puis à être devant. Mais j'ai rencontré depuis ce temps-là des personnes qui sont intéressées. Et toi aussi, tu sais, Valérie Dussault, bon. Mais j'ai une personne qui est extraordinaire et qui travaille en santé environnementale, mais pour les regroupements en santé. Mm-hmm. C'est vraiment très intéressant. Elle aussi, elle rêve qu'on ait une place ici pour la santé, pour la médecine fonctionnelle. Tout à fait. Et rapporter ce qui est dit et ce qui est connu et ce qui est supporté scientifiquement. Fait que je suis contente parce que je commence à avoir une équipe, toi le premier, mais avec du monde parce que je veux, moi, me dissocier de ça avec raison. Ben oui. Puis, tu sais, on comprend le cheminement puis tout le niaisage que tu as subi, mais l'idée, c'est que je trouve louable l'idée d'avoir une plateforme. Puis, je vais vous ramener dans le temps. Il y a eu, dans les années 90, un site web qui s'appelait Réseau Proteus, qui était le bébé d'un gars qui s'appelait Christian Lamontagne. Ce produit-là est devenu Passeport Santé, a été racheté par la Fondation Chagnon, et finalement, la Fondation Chagnon l'a vendu à un consortium français. Le site existe toujours. Il a passé par toutes sortes d'incarnations. Il s'appelle toujours passeportsanté.net. C'est une plateforme intéressante où on aborde toutes sortes de choses. Moi, j'ai été rédacteur et réviseur jusqu'à la vente en 2009 de toutes les fiches sur des produits. Okay. Très souvent, quand c'est marqué équipe Passeport Santé, ben je fais partie de ça. C'est toi. C'était pas juste moi, j'étais jamais tout seul là, mais c'était une équipe fort intéressante. Pierre en faisait partie aussi. Il y a d'autres plateformes qui sont très axées naturopathie ou aromathérapie. Mais il n'y a pas beaucoup de place où on peut créer un forum comme ça, où on va aborder. Tu veux parler des perturbateurs endocriniens? Allons-y, parce que c'est un débat hyper important dans notre société. Je trouve personnellement que Santé Canada ne met pas ses culottes et est beaucoup trop permissif. L'agronome du ministère de l'Agriculture, oui, qui s'est fait de sacrer à la porte, qui est revenu, qui a écrit un livre, cet homme-là, si moi j'avais été le ministre de l'Agriculture, non seulement il n'aurait pas été mis à la porte, mais la minute que j'ai entendu qu'il y aurait un problème, je l'aurais mis en charge. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un échange entre toi et lui, par exemple. Ah, j'aimerais ça. Je vais avoir Louis Robert, studio. Merci beaucoup. Louis Robert, on est en train de mettre en place un studio podcast et des balados pour... Écoute, moi, j'ai vraiment envie de ça. Ce que j'ai même entendu ce matin, tu sais, ça nous fait réfléchir. On parle de perturbateurs endocriniens. Personne ne sait qu'en se mettant... Elle me dit, une adolescente là, va se mettre une centaine de produits, si c'est pas plus, si ça frôle, je pense, les 200, de produits chimiques différents dans une même journée. T'sais. Puis là, on est à l'hôpital en soins intensifs, puis on va badigeonner des enfants qui sont en attente d'une greffe de cœur, d'espèces de crème, où quelqu'un sort d'un cancer du sein, puis on lui met des crèmes aussi avec un paquet de cochonneries dedans, dont des parabènes ou autres, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose qui n'est pas logique ou qui n'est pas conscient. On sait qu'il faut faire attention, puis encore là. Ben écoute, on n'a même pas encore admis officiellement la notion de l'hypersensibilité environnementale. C'était mon deuxième sujet. Bon. Ça, c'est mes sujets du jour. Mais l'hypersensibilité environnementale, et j'en suis un, pas un cas sévère, mais j'en suis un pareil. Moi, aller dans une boutique de parfumerie ou une boutique de sambon, là, de chandelles et autres, je fais un détour, là, j'ai mal à la tête en quelques secondes. Aller à la quincaillerie, OK? Je vais dans une quincaillerie et je ne peux pas rester là plus qu'une demi-heure.
Parce que, tu sais, les peintures, les solvants, à un moment donné, les yeux me chauffent et je me sens tout croche. Je suis de la même race que toi. Vous allez dans les épiceries où c'est tous les trucs ménagers. Écoute, c'est comme ailleurs. Ah, c'est bordélique, ça. Pour te citer ici, le parfum des autres, le parfum de l'un et le poison de l'autre. Oui. Je veux juste répéter pour ton truc sur l'ostéoporose. Donc, vous allez sur le site de J.Y. Dionne et vous allez avoir accès au webinaire, dont celui sur l'ostéoporose qui se donne la semaine prochaine. Le 3, non pas la semaine prochaine, le 3 et le 10. Parfait. C'est un 2 soir. Et sinon, vous avez toujours accès à tout ça. Et oui, Girainville, c'est pas que je suis déterminée, c'est que je suis libre. Je veux pas. J'ai toujours été responsable, j'ai toujours fait attention, mais je ne veux pas, je ne suis pas capable de me taire, tu sais. Donc, c'est un peu ça mon affaire. Est-ce que je peux faire du pouce sur ce que tu viens juste de dire? Oui. On a, toi et moi, il y a quelques semaines, abordé la notion que dans les grands médias, on a une laisse derrière nous parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Quelqu'un va nous dire de quoi parler, puis tu ne peux pas dire ça comme ça parce que le commanditaire, blablabla, blablabla. Tandis qu'ici, il n'y aura pas de commanditaire. Pas compliqué, là. Toi, Jacinthe René, tu interviews Jean-Yves Dionne et j'ai pas d'agenda. Oui, on parle de mon livre et de mes webinaires, mais je vends de l'information. Alors, merci beaucoup de parler de mes produits, mais je ne suis pas là pour vendre un produit. Je ne suis pas là pour vendre une école de pensée. J'essaie de décrypter puis de trouver le meilleur. Et c'est pour ça, les gens savent aussi que si je parle d'un truc, c'est parce que je l'aime et c'est parce qu'il y a du sens. Puis de toute façon, on nous entend et on voit bien qu'on a enfin l'heure juste avec toi. Il y en a d'autres des durs à cuire, mais c'est pas évident. Et surtout en ce moment, le livre « Mon stress bat stress », lui, vous pouvez le trouver sur maisonjacinthe.ca, dans nos boutiques, tout ça. Mais tu sais, il y a vraiment... Les pièges de l'alimentation, j'aimerais ça qu'on en parle aussi. Allons-y. Tu nommes tous des trucs qu'on ne sait même pas qui sont autorisés et tu parles des perturbateurs hormonaux, des pesticides. Et c'est un peu la conversation que j'avais ce matin avec Mia, qui va être comme l'éditrice, donc la personne qui est en santé environnementale, mais qui est en lien avec plusieurs organismes en santé, des hôpitaux et tout ça. Donc, qui est au courant de tout ça, qui est très ouverte, elle aussi, à la santé fonctionnelle. Donc, je lui donne le chapeau d'éditrice en chef et c'est elle qui va tu sais, chapeauter les avec toi. Ça va prendre un repas et Sylvie. Là, c'est comme si on jasait entre toi et moi. Mais on voulait parler de perturbateurs endocriniens. Oui, allons-y. L'impact des pesticides, parce que ça aussi, Jean-Yves, on dit dans un discours le généraliste que c'est pas grave, manger bio ou pas bio, c'est la même affaire. Bon, est-ce qu'on peut justement mettre des détails là-dedans, là? Allons-y. Le premier qui a allumé le feu aux poudres, c'était le DDT dans les années 60. Le DDT, c'est dans la famille des organochlorés. On a inventé une molécule qui n'existe pas dans l'environnement, où on a couplé du chlore avec une molécule organique. Ça a fait un monstre qui était un très bon pesticide, très efficace, mais une substance qui n'a pas de fin dans l'environnement. Ça dure des centaines, voire des milliers d'années, et ça a monté dans la chaîne alimentaire au point que les rapaces au Québec ont presque tous disparu. Aïe. OK, les grands rapaces, là, les aigles, les buses, etc., ont presque tous disparu. Ils sont en train de revenir, Dieu merci, parce qu'on a banni le DDT au Canada dans les années 70-80. Les dates exactes, je ne suis pas sûr, là, mais on l'a banni. Mais on l'a quand même utilisé à grande échelle. Exemple, Dixit, un pêcheur du bas du fleuve qui m'a raconté ça quand il y a eu l'Expo 67. Pour être sûr que les gens qui vont à l'Expo, c'est l'Expo 67 sur l'île Sainte-Hélène, là, c'est entouré de marécages, cette affaire-là. Là. Fait qu'ils avaient de la bébite, là. Fait qu'ils ont arrosé, là, big time. Savez-vous ce qui s'est passé dans le bas du fleuve? Les anguilles sont parties. Aïe. Ils sont revenus, finalement, mais ils sont partis. Alors, ils me racontaient ça, et cette année-là, les deux années qui ont suivi, j'ai rien eu dans mes filets. Alors, c'est impressionnant, là. Alors, ouais. Ça, c'est des conséquences directes. Mais parlons de conséquences un petit peu plus floues, là. Le DDT, il n'y en a plus chez nous. Il y en a encore dans le tiers-monde, en Inde. Fait quand j'achète un produit qui, écologiquement parlant, est une absurdité parce qu'il fait le tour de la planète pour arriver chez nous, bon, je veux bien si j'ai un produit que je n'ai pas chez moi, du chocolat, du café, de l'avocat, OK. Mais quand c'est des asperges, j'ai un problème. Mais ils viennent au bout du monde où là, ce n'est pas réglementé. Alors, Santé Canada a établi des limites, pas des interdictions, des limites à la douane. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va tester
des échantillons. OK. Maintenant, faites affaire avec un importateur un peu pervers. Les échantillons accessibles sont tous beaux, mais le reste n'est pas. Alors, on a des raisins, par exemple, qui ont des taux de pesticides monstrueux quand ils arrivent d'Amérique du Sud. Donc, la notion des pesticides, elle est réelle. Elle est dans notre assiette. Qu'est-ce que ça fait quand on mange des pesticides? Bon, c'est là où c'est difficile de répondre parce qu'on tombe trop dans les discours généralistes. Il faut y aller quasiment molécule par molécule. Alors, par exemple, le paraquat, qui est un insecticide, est reconnu, je dis bien reconnu, comme cause d'une maladie de type Parkinson. On va parler de parkinsonisme. C'est la même affaire, mais comme le Parkinson n'a pas de cause, c'est comme un petit frère avec une cause connue. L'histoire de Michael J. Fox, l'acteur, tu sais, Back to Future, oui. Ce gars-là a attrapé le Parkinson au début de la quarantaine. C'est absurde! Oui. C'était une maladie de vieux quand j'étais jeune, là. Et là, il l'a attrapé. Et pas tout seul, parce qu'il l'a attrapé lors d'un tournage, si mémoire est bonne, quelque part en Colombie-Britannique, et il y a 8 personnes dans le tournage qui l'ont attrapé aussi. Cause environnementale. Laquelle exactement? Pour l'instant, à ma connaissance, personne n'a mis le doigt dessus. Mais c'est un exemple. Et donc, tu sais, je peux parler du paraquat, je peux parler du glyphosate. Le Roundup, au départ, faisons son histoire, là. Dans les années 60, le Roundup s'est sorti comme un savon. OK? C'est un truc pour décrasser les tuyaux. Puis on s'aperçoit que ça tue les plantes. Ah! Il y a un plus gros marché là. On va l'utiliser comme défoliant pour tuer tout ce qui est là avant de planter. Oui, mais ça reste un peu dans le sol. Ça empêche les graines de germer. Qu'est-ce qu'on crée? On va créer des OGM qui sont résistants au glyphosate. Roundup Ready. Je ne nommerai pas la compagnie. Et là, on augmente la quantité de pesticides avec ces OGM-là qui arrivent quelque part dans les années 90. Ah, puis pourtant, on disait que les OGM allaient être résistants à toutes sortes d'affaires, donc j'ai moins besoin de pesticides. C'est curieux. Plus on prend ces graines-là, plus on met de pesticides. Déjà, ça, c'est pervers. On avance dans le temps. Il y a quelques années, on s'aperçoit que chez les plantes qui sont résistantes, il a un effet dessiquant. Il fait sécher. Ah! Alors, on s'aperçoit que les grains, en fin de parcours dans le champ, on est tributaire de la météo pour les cueillir. Puis on fait, bien, en termes industriels, en termes humains, ça se fait, mais en termes industriels, ça te prend des dates fixes puis des deadlines. Puis, fait qu'est-ce qu'on fait? On arrose 3 jours avant, puis on cueille. On récolte. On récolte le blé, on récolte le maïs. Et là, tu vois, dans les tests que tu vois apparaître sur les différentes plateformes qui s'intéressent à ça, les taux de glyphosate dans le sang qui augmentent de façon exponentielle. Puis là, on se pose la question, pourquoi on est devenu tout intolérant au gluten? Problème? Mais regarde, tu sais, t'en parles dans, tu parles de l'alimentation, tu abordes les perturbateurs hormonaux et le glyphosate, t'en parles et tu dis le Roundup est associé à toutes sortes de problèmes de santé. Il affecte le microbiote et la porosité de l'intestin augmente l'inflammation. Moi, tu sais, je suis entourée de terres agricoles, donc il arrose, même si moi, mes terres sont bio, moi, j'ai quand même, est-ce qu'il y a une façon de, si on sait, tu sais, comme lui, s'il avait su, l'acteur qui a le Parkinson, qui avait respiré, ou peu importe, une dose de pesticides ou une dose de substances toxiques dans l'environnement, est-ce qu'il y a un moyen d'éliminer ça avec des chélateurs? Est-ce qu'on peut, est-ce que le sauna infrarouge est approprié à ce moment-là aussi? On est dans une zone grise. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de données qui vont supporter les choses que je vais te dire tout de suite après. Il y a des moyens d'augmenter la capacité de ton corps de dégrader ces molécules-là, okay? Ou à tout le moins de les éliminer. Le problème, c'est que je me base sur des mécanismes d'action et non sur des études cliniques. On n'a pas ça. Pourquoi? Ton hypothèse est aussi bonne de la mienne, puis je n'irai pas vers là parce qu'on risque de s'emporter. Mais il n'y a pas ces données-là. Alors, ce qu'on sait, c'est que pour augmenter la capacité de ton corps d'aller dégrader, et là, je vais te faire, on parlait de détox autrefois, là, je vais vous expliquer un petit peu la mécanique. Au niveau du foie et de plusieurs organes, notamment l'intestin et le rein, on a des enzymes de dégradation. Le premier, on l'appelle la phase 1, pour ceux qui s'intéressent, c'est les cytochromes. Et tout ce qu'ils font, ces molécules-là, vont aller oxyder ou réduire la molécule. Le but pour mon corps, ce n'est pas de dégrader, c'est de la rendre soluble. Pourquoi? Pour que mon rein puisse éliminer. Mais dans bien des cas, ça ne dégrade pas, ça active.
Parce que c'est aveugle, cette affaire-là. Ça oxyde. C'est un peu comme tu mets de l'eau de Javel sur quelque chose, ça l'oxyde. Ça ne se pose pas de question. C'est la même affaire. On a une deuxième phase qu'on va appeler une phase synthétique. La première, c'est oxydoréduction. Là, on dit synthétique. Pourquoi synthétique? Parce qu'elle synthétise des molécules. Donc, ma molécule qui a été transformée va se voir coller un groupement qui, là, inactive ma molécule et la, permet à mon corps d'éliminer quelque chose qui est inerte. Plus ou moins, parce que ce n'est pas absolu mon affaire, il y a des cas où ce n'est pas vrai. Mais toujours est-il que je conjugue ma molécule. Alors, vous avez entendu des mots comme le glutathion va servir à ça. Les acides aminés soufrés, la cystéine va servir à ça. La méthionine va servir à ça. Bon, il y en a tout plein. J'ai toute une série de voies métaboliques. Tu sais, on parlait des crucifères. Le brocoli va stimuler cette deuxième voie-là. Et c'est comme ça qu'on peut donner les meilleurs outils à mon corps pour dégrader ces toxiques-là. Parce que le mot toxine est un petit peu tordu, parce que dans la biologie, toxine vient d'une bactérie là, ou d'un animal, mais on prend donc substance potentiellement toxique. Alors, je peux donner toutes les chances à mon corps pour dégrader. Le hic, c'est que dans le discours officiel scientifique, je tombe carrément dans une zone grise où je peux te parler de pharmacologie, je peux te parler de mécanisme d'action, mais il me manque le dernier bloc qui est, est-ce que j'ai une étude clinique? Et souvent, j'en ai pas pour valider tout ce que je vais te dire. Alors, on fait quoi? Quand il y a une lésion tissulaire, dans le cas du Parkinson, il y a une lésion dans le cerveau, la substance noire est brisée. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Okay? En termes cliniques, je peux peut-être aider la personne, qu'on a étudié sur Oméga 3. Là. Oui, j'ai des choses que je peux faire, mais je n'ai rien qui répare. Rien. Puis même en médecine, j'ai des médicaments qui vont aider à pallier, pas plus. On va mettre plus de dopamine, hein, t'sais, le L-Dopa. OK. Mais je n'ai rien qui corrige. Alors, quand je n'ai pas de lésion, je suis encore fonctionnel, je n'ai rien de brisé. C'est là qu'on peut travailler. Puis là, on va parler d'abord alimentation. Puis si on parle pesticides, c'est quoi mon meilleur outil contre les pesticides? Bien, c'est le bio. Parce que le bio, s'il y a une affaire, peu importe le certificateur, c'est pas de pesticides. On peut s'entendre sur qui est le meilleur certificateur, mais c'est pas de pesticides. Donc, le discours que tu as là pour éliminer ou pour, tu sais, ça va s'adresser aussi aux personnes qui mangent. C'est pas juste ceux qui sont entourés de pesticides. De toute façon, on l'est pas. On l'est tous. Juste pour confirmer ce que tu viens de dire là. Tu sais, toi, où tu restes dans ton coin, il y a des terres agricoles et du maïs partout. Mais tu habites en Montérégie. Je vais te donner une statistique qui fait froid dans le dos. Oui. L'autisme était virtuellement existant chez les gens de mon âge. Il y a toujours eu des Asperger, il y a toujours eu des professeurs tournesol, des gens avec une intelligence différente, des gens qui ne sont pas conformes. Il y en a toujours eu de ça. Mais la maladie, c'est d'autres choses. OK? Il faut faire attention. Là, parce qu'en médecine, on a tout amalgamé ça dans le spectre de l'autisme. C'est une grosse boîte où tu mets tout, ça t'empêche de parler. Mais ceci étant dit, la statistique que je veux te donner, c'est qu'il y a pas loin de 2% des enfants en Montérégie. Mia me l'a appris tantôt. Alors, quand tu dis ça, pourquoi à Chicoutimi, il n'y a pas 2%? Pourquoi à Val-d'Or, il n'y a pas 2%? Pourquoi en Montérégie, il y a 2%? Qu'est-ce qu'il y a en Montérégie qu'il n'y a pas ailleurs? Parce que des industries, il y en a partout. Il y en a peut-être plus en Montérégie, mais vous avez des cultures de maïs en maudit, par exemple. Ouais. Il y a plus de grandes cultures dans cette région-là que partout ailleurs au Québec. Alors, à un moment donné, tu poses des questions, là. Est-ce que j'ai raison de faire un lien avec le glyphosate et avec d'autres pesticides? Je ne sais pas. OK? C'est l'observation. Mais c'est une question qui est légitime et qui mériterait qu'on s'intéresse à ça. Tu sais, puis dès qu'on s'en va dans en vacances, ça, il arrose aussi pour pas que les personnes se fassent piquer. Tu sais, tout le monde voit ça. Dans les îles, là. Dans les îles, c'est fou, les fumigations, tous les soirs, là. C'est comme, ouch, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Est-ce que les algicides qu'on met dans les piscines, par exemple, vont avoir le même... Ça dépend lesquels. Il y en a, c'est juste des chlorates, hein, c'est pas grave. Faut voir, parce qu'il y a des trucs minéraux. Puis comme je suis pas assez familier dans les substances utilisées, je le sais pas. Mais tu sais, si tu veux élargir le débat pour les perturbateurs hormonaux... On vient de parler des pesticides. Vous voyez que c'est un discours qui est vraiment pas clair. Oui, Saint-Hyacinthe, oui, très agricole. Il y a des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont mesuré la quantité de pesticides et de médicaments dans l'eau au Québec, pas ailleurs, au Québec. J'ai fait un reportage là-dessus à
Radio-Canada la première fois, puis à TVA la deuxième fois. Des villes comme Drummondville, Saint-Hyacinthe, Saint-Nicéphore, puis une couple d'autres, le taux de pesticides est alarmant dans l'eau. Okay? Mais revenons aux perturbateurs hormonaux sur lesquels on a plus de contrôle. Tu as parlé des crèmes tantôt. Oui. Tu sais, il y a eu tout un trois petits points de débat inutiles à propos des crèmes solaires. Tu en as vécu une partie. Et moi, j'ai écrit un article à peu près en même temps. Je pense qu'on se connaissait même pas à l'époque. On s'est rencontrés... Pas longtemps après. Et il y a, dans les crèmes solaires, des substances qui ont deux caractéristiques douteuses, mettons. Un, ils vont changer avec les ultraviolets. Ben, trois caractéristiques. Deux, au niveau animal, ce sont des perturbateurs endocriniens de type estrogène. Trois, elles pénètrent dans la peau et sont mesurables en circulation sanguine. Tout ça, c'est animal. J'ai pas de preuve humaine, là. Mais imagine l'étude clinique pour le prouver, toi. Il faudrait prendre un volontaire, le badigeonner de crème, le laisser dormir là pendant 8 heures, puis aller prendre une prise de sang. Puis le bombarder d'ultraviolet. Vois-tu quelqu'un accepter ça? Il n'y a pas un comité d'éthique qui va permettre ça. Fait qu'on est pris dans la documentation. Il m'en manque un morceau. Mais toujours est-il que le fameux benzophénone 3 à proscrire, OK? Le Parsol, le Mexoril, pas de problème. Eux, ils ont fait leurs preuves, ils sont corrects. C'est des combinaisons de substances qui sont sécuritaires, jusqu'à preuve du contraire, mais ça fait 20-30 ans que ça existe. Mais le benzophénone 3, là, Mais c'est qu'est-ce que ça fait un perturbateur endocrinien? Parce que, tu sais, il n'y en a pas juste dans les crèmes solaires. Ah, il y en a partout. Tu as parlé des parabènes. Oui. On fait une petite histoire des parabènes. Le premier parabène, OK, le méthyl ou l'acide para-aminobenzoïque, premier parabène, on a dans les fraises. OK? C'est une substance alimentaire. Mais c'est pour ça que même la fondation de Suzuki dit c'est pas si dangereux que ça. Ouais, mais t'as une minute. Cette molécule-là, elle a la capacité de faire deux choses. Un, empêcher la croissance de certaines bactéries. Puis deux, de se mouiller dans l'eau puis de se tremper dans l'huile. Elle se promène entre les deux. Un peu comme la lécithine. C'est un peu comme un émulsionnant sans en être un. Il se promène dans l'interface. Alors, on l'a modifié. On a rajouté un méthyl, un éthyl, un propyl. Puis tu t'entends éthyl, parabène, propyl, parabène. On a rajouté, rallongé la chaîne pour le rendre de plus en plus soluble dans l'huile. Et ça, ces molécules-là, sont perturbatrices hormonales. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est pas manger des fraises bio qui vont être perturbateurs hormonaux. J'en ai des pas bas là-dedans. Mais les parabènes modifiés sont très différents. Et ça fait quoi? C'est là où c'est un peu plus complexe. Non, la plupart du temps, ça n'affecte pas le taux hormonal sanguin. OK? Donc, bien des détracteurs vont dire c'est pas vrai parce que les hormones sont amènes. Ouais, c'est vrai. Ça agit au niveau cellulaire. Ça agit comme un estrogène la plupart du temps. Ils sont estrogéniques. Ils vont affecter la réaction aux estrogènes. Ils vont affecter le métabolisme intracellulaire. Donc, ils sont beaucoup plus insidieux. Il y a un monsieur que j'ai rencontré qui s'appelle Jacques, mais Cicolella, avec des C, qui est un chercheur français, un des premiers sonneurs d'alarme ou d'alerte, d'alarme, en France, sur les notions de toxicité environnementale. Il a parti le réseau Environnement Santé, si ma mémoire est bonne, et c'est fascinant le travail qu'ils ont fait ces gens-là. Ils ont trouvé une notion fascinante. En médecine, en pharmacologie, tu as toujours une notion de dose minimale efficace. Hein? Tu en prends, puis à un moment donné, tu atteins la dose, ça marche, puis après ça, hop, ça devient toxique. Mais en bas, ça ne marche pas. Bien, certains perturbateurs hormonaux, notamment le fameux BPA des plastiques, il y a une zone là, mais ce qui est paradoxal, c'est que ça marche plus comme effet dangereux à très, très petit dosage et moins à haut dosage. Parce qu'à haut dosage, c'est comme si ta cellule le reconnaît puis s'en débarrasse. Mais à très petit dosage, il passe dans les mailles du filet. L'autre chose qu'ils ont développé, c'est le concept de synergie. On est dans une soupe de centaines. Tu l'as dit, là, ta Nina, qu'elle s'appelle? Regarde, elle est là, Mia, puis elle dit c'est André Cicolella. André, bon, je me suis trompé de prénom. Cicolella, un homme admirable. Il est admirable, cet homme-là. Je l'ai rencontré justement en studio, puis on a jasé avant l'entrevue, puis j'ai fait « Wow! Quel homme animé d'une mission! » C'est fascinant, puis il en a vécu des rêves. Lui aussi, il a perdu sa job, là. Parce que ce qu'il a dit, c'était dérangeant. Alors, mais ce qu'ils ont démontré, c'est que des très, très petits dosages, plusieurs substances, ont un effet synergique pour augmenter la toxicité.
Et c'est ça qui est atrocement difficile à prouver. Parce qu'on est tous dans une mer de ces affaires-là. Alors, les perturbateurs hormonaux auront des effets potentiels. Gardons le mot potentiel. Augmentation de cancer. Toutes les maladies hormonales. Bien, augmentation de cancer, pense tout de suite cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire. Les tissus hormonodépendants. Puis notez que j'ai mis la prostate dans le système. Là. Parce qu'on tire hormonodépendant, on pense juste aux femmes. C'est pas vrai. Le cancer le plus tueur chez les hommes, c'est quand même le cancer de la prostate. Puis pourtant, c'est traitable. Mais ceci étant dit, altération au niveau in utero, donc altération du fœtus. Puis là, je vais vous lancer une réflexion à moi que vous avez le droit d'être complètement opposé. Pourquoi, dans notre société, on a une augmentation de tous les types de gens qui ne sont pas conformes aux standards estrogène-testostérone? Mettez les mots que vous voulez, là. Mais que ce soit des gens qui se sentent pas bien dans leur peau, veulent changer de sexe, que ce soit des gens qui sont asexuels, que ce soit des gens qui sont... C'est devenu... Ça reste une minorité en statistique, là. Mais c'est devenu important dans notre société et ce nombre-là augmente. Est-ce que ça se pourrait pas qu'il y ait un rôle avec des perturbateurs hormonaux, mais transgénérationnels? Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on peut affecter sur 3 générations avec ces substances-là. C'est vraiment, il faut y penser. La fertilité aussi, les perturbateurs endocriniens vont affecter la... Écoute, dans mon protocole sur la fertilité que j'ai dans les cours que je donne pour les professionnels, j'ai répertorié des études là-dessus, notamment la concentration de BPA dans le sang des hommes est inversement proportionnelle à la qualité du sperme. Je m'explique, plus ils ont du BPA dans le sang, plus ils sont infertiles. Leurs spermatozoïdes sont plus courts, ils sont mal formés. Puis BPA, on trouve ça où? Les plastiques. Bon, parce que quelqu'un le dit, les plastiques aussi sont des perturbateurs endocriniens. Les plastiques libèrent des molécules, parce que c'est quoi un plastique? C'est un polymère. Un polymère, c'est comme un mur de briques. C'est la même affaire, répéter. Alors, soit en fil, ça donne un tissu, le polyester, donc, ou en plastique. Alors, c'est les BPA, les biphényles aromatiques, ou les BP n'importe quoi d'autre, BPZ, BPF, BP... Tu sais, quand on te marque 100 BPA, là, il est plein de BP d'autres choses. Et c'est vrai, parce que ça te prend le BP pour polymériser ton affaire. Autrement, tu vas avoir un paquet de petites substances. Tu veux une immense molécule pour faire ta bouteille de plastique. Donc, les plastiques, plus ils sont souples, plus ils libèrent des choses, les composés organiques volatiles qui polluent nos maisons. Il y en a plein de ça, là. Oui, on n'est pas sorti du bois, Marie-Claude. C'est tout à fait vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, est-ce que le sauna infrarouge, puis est-ce que les chelateurs et les crucifères, est-ce que ça peut nous aider? Alors, commençons. Un, réduire le contact. OK? Alors, première chose, donc manger bio, votre air, la qualité de votre air de votre maison, c'est quoi? Ça se vérifie. Est-ce que vous vivez... Parce que la pollution intérieure est souvent pire que la pollution extérieure. C'est puis là, on n'ouvre plus les fenêtres. Moi je suis contre l'air climatisé puis ces affaires-là. Mais tu sais, je suis tout le temps toute seule de mon bord, mais il faut ouvrir les fenêtres. Il faut qu'il y ait une circulation d'air. On ne peut pas toujours être dans le même air. Tout à fait. Alors, tu sais, je reviens encore à la plante d'aloès, toutes les plantes que tu as derrière toi. Là, oui. C'est des purificateurs d'air. Alors ça, il y a plusieurs plantes qui vont aller bouffer les VOC, les COV, les composés organiques volatiles. Mm-hmm. Donc, diminuer le contact. Alors, manger bio. Moi, je suis un fan de filtrer mon eau parce que dans l'eau, il y en a. Puis, il y en a qui sont anodins, les organochlorés qui sont créés par la machine de filtration pour tuer les bactéries. Puis, je veux qu'il y ait du chlore parce que je ne veux pas bouffer des bactéries. On est super efficace. Mais en même temps, est-ce que je veux manger du chlore? Non. C'est les chlorures. L'autre chose, c'est est-ce que je peux aider mon corps à se débarrasser de ce qu'il aura? C'est là où je tombe dans une zone grise où je suis obligé d'extrapoler par rapport. Ben, tant mieux, tu habites au pied des Rocheuses, chère Marie-Claude. J'ai vécu là 2 ans à Banff et mon Dieu, que c'est beau comme coin. Ouais. Mais bon, revenons à nos moutons. On peut aider. Et la première chose, le webinaire que j'ai fait avec Valérie Dussault sur ma plateforme, 10 jours détox, on parle exactement de ça. Du pourquoi, du comment, puis quoi faire. Les légumes verts, premier outil.
Les crucifères, en particulier, vont aider ma fameuse deuxième phase. Les vitamines B, peu importe la source, qu'elles soient en supplément ou en aliment, vont aider la deuxième phase. Les acides aminés soufrés, tu veux en parler? Non, tu n'en as pas parlé, tu m'as écrit là-dessus. La cystéine, les N-acétylcystéine en supplément ou la cystéine tout court que tu vas trouver dans les œufs, entre autres. Okay? Les molécules soufrées, cystéine, méthionine, vont aider mon corps à mieux dégrader. Des œufs bio. Ben oui. Puis des œufs bio. Merci beaucoup. Si tu. N'importe qui s'est amusé à faire ça. Là, moi, j'ai la chance depuis quelques mois d'avoir accès à un fermier qui fait des œufs en petite quantité, puis tu sais, les poules sont dehors, puis tout. Écoute, tu casses ton œuf. Un, il faut que tu varges dessus pour le casser, parce qu'il est solide. Deux, le blanc se tient, puis le jaune ne casse pas. C'est fascinant. Mais bon, ceci étant dit, je ne suis pas prêt à aider les poules. Et ça ne fait pas des semaines et des semaines qu'ils dorment sur les, à l'épicerie, et puis un œuf, tu sais, en tout cas. Je connais ça, j'ai eu des poules, mais moi, mes gars, ils veulent des œufs de l'épicerie. Tu sais, j'ai tout un enseignement. Ils ne veulent pas des œufs de poule. Bon. Ils voient c'est quoi la réalité d'une poule. T'sais, un œuf n'est pas propre quand il sort. Ben non, il n'est pas propre, il faut le laver, c'est sûr. Il faut le laver. Puis une poule en santé, ça picore dehors puis ça bouffe des bébites. Oui. Hein? C'est un omnivore, un insectivore. Mais bon, ceci étant dit, il y a moyen d'aller chercher des nutriments qui vont supporter ma deuxième phase d'élimination. Alors, que ce soit les sources de soufre, comme le sulforaphane dans les crucifères, les acides aminés soufrés, comme la cystéine, la méthionine, la taurine va aider aussi, les vitamines B, les oligo-éléments, les minéraux, on pense au cuivre, au zinc, au sélénium, au manganèse, au magnésium, sont tous des minéraux qui, quelque part dans la voie métabolique, vont donner un plus. Alors, il y a moyen. Et si on veut parler, là j'ai parlé micro, voie métabolique, parlons macro maintenant. La quantité d'eau que tu bois. Je ne te parle pas de te noyer à 3 litres par jour, mais ça te prend un minimum de 1 litre d'eau en dehors des repas. Mais là, dis-nous aussi, parce qu'en ce moment, je voulais aussi en parler aujourd'hui, la peau qui est déshydratée, qui est un signe qu'on manque d'eau à quelque part. Oui, il faut appliquer des bonnes choses qui hydratent la peau, mais ce que je veux dire, Jean-Yves, c'est qu'il y en a qui boivent de l'eau, mais on dirait que le corps ne l'absorbe pas. Voilà, c'est là qu'il faut aller. OK, c'est là qu'il faut aller parce que la peau déshydratée ou la peau sèche n'est pas nécessairement un signe de déshydratation qui te manque d'eau. C'est surtout une notion d'intégrité de ta peau. Puis là, on fera un autre sujet là-dessus où on parlera des acides gras qui agissent à ce niveau-là, puis des trucs comme le cholestérol agit à ce niveau-là. C'est une des céramides. Bon, ceci étant dit, c'est un autre concept. Quelqu'un qui est déshydraté, surtout chez la personne plus âgée, on a un test. Tu pinces ta peau comme ça, là, puis quand le pli reste, c'est parce que tu es déshydraté. Alors ça, chez les personnes âgées, en CHSLD et autres, qui n'ont pas soif, c'est ça le grand drame. À un certain âge, tu n'as pas soif, tu ne le sais pas, jusqu'à ce que tu aies des symptômes, des étourdissements, des baisses de pression. Tu n'as pas soif. Alors, la sensation de soif n'est pas présente. D'où l'importance de prendre l'habitude de boire régulièrement. Alors, mais ça va aider ton rein à faire son travail naturellement. Tu ne le stimules pas, tu lui donnes juste plus de volume pour qu'il élimine des affaires qui sont un peu plus difficiles à dissoudre. Cool, parfait. D'où l'importance de la qualité d'eau. Deuxième point, macro. Très important. Mais attends, pour revenir à l'eau, il n'y a pas un transporteur aussi qui peut manquer? Est-ce que du sel, tu sais, si on n'a pas de sel? OK, oui. Bon, ça, c'est une autre de mes marottes. Merci de me ramener là-dessus. Le sel, on s'est fait dire depuis 50 ans, 70 ans, que le sel, c'était donc dangereux, que ça allait augmenter l'hypertension. Et le pire, c'est que les personnes qui sont les plus strictes là-dessus, c'est souvent des gens qui sont hypotendus. Le sel... Puis là, j'ai écrit plein de textes sur mon blog. Puis si ça vous intéresse, le meilleur ouvrage là-dessus, c'est James D. Nicolantonio qui l'a écrit. Le livre, c'est The Salt Fix. C'est un PharmD, c'est un pharmacien d'hôpital aux États-Unis, un génie. Pas compliqué, là. Il a fait plein de bouquins que je trouve trippants. Il est un petit peu trop techno, là. Enfin, technique. Moi, j'aime ça, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Mais son livre, là, te désamorce toutes les affaires, d'où ça vient, pourquoi on dit ça, puis la réalité, on a besoin de plus de sel. C'est pas compliqué. Santé Canada nous dit 1500 mg.
de sodium. Je vous mets au défi de manger 1500 mg dans une journée. Il n'y a rien qui goûte. Puis au bout de quelques jours, tu fais comme tu as une rage de sel. Okay. L'apport maximal tolérable, 2,3 g, 2300 mg. Encore là, ce n'est pas assez. La moyenne mondiale est quelque part entre 4 et 8 g de sel, de sodium, pas de sel, de sodium. C'est comme deux fois ce qu'on nous recommande. Mais pourquoi? On a besoin au niveau du rein pour équilibrer ton eau. Les gens qui font de la rétention d'eau, souvent, c'est le rein qui retient l'eau parce qu'il n'y a pas assez de sel. Ah! Puis ils vont dire, oui, mais quand je mange salé, je fais plus de rétention d'eau. Oui, mais commence à manger un peu plus salé tous les jours, tu vas voir que ton rein va se calmer. OK. Donc, okay? Le temps qu'il reprenne son équilibre. Exactement. Puis il y a plein de choses comme ça. Le manque de satisfaction dans la vie. Tu manques de dopamine, mais pour libérer ta dopamine, ça te prend du sodium. Bon, on peut continuer de même. Mais au niveau du rein, pour ton hydratation, tu as besoin de l'équilibre eau-sodium. Parce que sinon, si l'eau passe tout droit, elle ne rentre pas dans la cellule. Quasiment. Okay. C'est une bonne image. OK, c'est une bonne image. c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué. C'est quoi la différence? OK, sel et sodium. C'est vrai que c'est une bonne question. Le sodium, c'est fait partie du sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium. T'sais, on a tendance à, puis je l'ai déjà dit cette affaire-là, on ne mange pas de minéral. On mange toujours un sel minéral. Le chlorure de sodium, ça vient ensemble. Du sodium tout seul, c'est toxique. Tu ne peux pas manger ça. Du magnésium tout seul, le seul magnésium pur métal que tu vas trouver dans ton environnement, c'est un feu de Bengale. Ça ne se mange pas. Mais ça éclate, ça fait du feu. C'est le fun. Mais excusez, je dérape un peu. Est-ce que non, pas du tout. Le sel retient les minéraux. Bon, au niveau du rein, OK, le rein fait son travail d'équilibre et il est... merci, Cécile. L'idée, c'est que le rein cherche toujours l'équilibre. Il y a trois minéraux qui vont m'intéresser ici. Le sodium, le potassium et le magnésium. OK? Et le magnésium, le potassium, si vous mangez moindrement équilibré, vous mangez suffisamment, vous n'avez pas de problème de potassium. Les gens qui ont des problèmes de potassium, ils ne mangent pas assez. Ou bien non, ils prennent un médicament qui élimine le potassium comme un diurétique. Donc, on n'est pas là. On est vraiment dans la bouffe. Il y a plus de potassium partout qu'il y a de sodium. D'où l'importance de saler les choses. Et historiquement, le sel avait une valeur marchande très importante. Et on ne peut pas prendre du chlorure de potassium en quantité. Ça donne la nausée. Fait qu'on ne le fera pas. On peut en mettre un peu, ça existe, mais pas tant que ça. Mieux vaut prendre de la bouffe, les légumes verts, les légumineuses comme les fèves blanches sont riches. Bon, il y en a plein d'aliments. Tout, on ira ailleurs. Et donc, un équilibre sodium-potassium. Je perds beaucoup de sodium dans ma transpiration. Je perds un peu de potassium dans ma transpiration. Et c'est là qu'agit le magnésium. Le magnésium, entre autres, un de ses effets, c'est de rendre le rein plus conservateur. Et d'ailleurs, on le voit en clinique, les gens qui sont en hyponatrémie, pas assez de sodium dans le sang, pas assez de potassium, puis pour des raisons X, potassium devient calcium dans notre discours, donc hypokaliémie, mais c'est sodium-potassium qui baisse, tu leur donnes du magnésium, puis hop, les deux autres se normalisent. Le rein devient plus conservateur quand il y a assez de magnésium. Puis c'est vrai pour le calcium aussi. Donc, oui. Alors, dans les sels, il y a des personnes qui demandent est-ce que le sel herbe mort, c'est bon? Est-ce que de tout bon. Le sel iodé, tu aimes beaucoup le sel iodé? Bon, faisons le. D'abord, du sel, c'est du sel. Chlorure de sodium. Tous les sels sur le marché, sauf ceux qui sont marqués sans sodium, comme le herbe mort bleu, qui est du chlorure de potassium. Mais tous les sels, c'est du chlorure de sodium à 95 jusqu'à 99,99%, dépendant du type de sel qu'on achète. Donc, Himalaya, tout ça, c'est du sel? Tout. Ça, c'est toujours du sel. Par contre, plus il est brut, plus il est coloré, plus il va contenir une portion de plus en plus importante d'autres minéraux. Ah. Mais ça sera toujours 95% de sodium, de chlorure de sodium. Okay. Alors, les autres sels sont intéressants. Le sel de mer, les sels exotiques comme les sels d'Hawaï qui sont noirs, qui sont rouillés, qui sont verts. C'est correct. Cool. Allez-y. C'est intéressant. Ils ont des caractéristiques surtout gustatives. Est-ce que c'est thérapeutique? Je ne sais pas. Moi, j'aime le sel d'Himalaya parce que je trouve qu'il goûte bon. Puis, il est le fun, il est rose. Mais en termes minéral, c'est une petite partie. Ce qui m'intéresse, c'est le sel. Et pourquoi j'insiste tellement sur l'iode?
Parce que, un, à moins de vivre à quelques mètres du bord de la mer, à moins de manger des sources de produits de la mer, poissons, fruits de mer, algues, de l'eau salée, tous les jours, vous manquez d'iode. Pas compliqué. L'iode, l'apport nutritionnel, c'est 155 ou 150 microgrammes. En réalité, beaucoup d'experts disent que ça doit être beaucoup, 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 beaucoup plus. Bon, Celtic Salt, c'est un sel de mer qui est supposé avoir un peu plus d'iode, mais encore là, il n'y en a pas assez à mon goût. Mais il vient de la mer Baltique, là. Intéressant. Puis en termes de qualité, c'est le fun. Parce que les sels de mer et les sels de terre. Celle d'Himalaya, c'est un gisement. Au Québec, on a un super gros gisement aux îles de la Madeleine. Mais pour une raison X, les gens de Windsor ne nous donnent pas accès au sel brut. Ils vont nous donner accès. Le sel brut, il sert pour nos rues. Puis le sel raffiné, ils le mettent en boîte, il est blanc, blanc, blanc. Et là-bas, il est bleu. Mais bon. Eh bien. Tiens, revenons, hein, on veut éliminer, donc on boit de l'eau et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'aimerais ça qu'on comprenne que c'est important si on veut éliminer, que ce soit de la cellulite ou des métaux ou des pesticides qui sont bon. Dans nous. Ça passe pas au système digestif. Ou ben, c'est là où je m'en allais. C'est okay. Ça. Le deuxième macro, après l'eau, c'est les fibres. Ah! Ah! Bon, les fibres, puis là, encore là, on n'a pas besoin de les compliquer. Juste dans mes légumes verts, il y en a. Dans mes graines, il y en a. Les fibres, surtout les fibres solubles. Donc, pour vous donner un exemple, c'est quoi une fibre soluble? Ta graine de lin, quand tu la mets dans l'eau, le stuff visqueux, la graine de chia, le stuff visqueux, ça, c'est soluble. La coquille dure, ça, c'est une fibre dure. Alors, les fibres solubles ont cette caractéristique-là de pouvoir agglomérer les substances. Donc, ce qui crée un mucilage. Le psyllium aussi s'en... Exactement. Bon, mucilage, fibres solubles, on est dans le même monde. OK? Chimiquement, c'est dans le même monde. Et donc, ce que ça donne, c'est une capacité d'aller éliminer plus efficacement ce qui sort de deux places dans ton intestin. Un, par ton foie, via la bile, tu excrètes, tu élimines des substances, là, je tombe dans le jargon, liposolubles, donc solubles dans l'huile. T'sais, tantôt, j'ai parlé de la première phase qui donne des trucs qui sont solubles dans l'eau pour éliminer par le rein. Ben, tu as des substances qui sont solubles dans l'huile qui passent par le foie. Okay. Mais ton intestin est redoutablement efficace pour les réabsorber. Alors, plus tu as de fibres, plus ces substances-là se lient, on va parler de adsorber, coller, pour les éliminer. Alors, donc, on veut avoir une quantité de fibres. Mais l'autre source d'élimination qu'on a tendance à oublier, c'est l'intestin lui-même. L'intestin a une fonction d'élimination parce qu'on perd des cellules de notre muqueuse intestinale en quantité phénoménale tous les jours. Et ça sert de processus d'élimination. Il y a une élimination directe par l'intestin. Oui, la fonction de l'intestin, c'est d'abord d'absorber, mais aussi de relarguer certaines choses dont il n'y a plus besoin. OK, c'est vraiment intéressant. Donc, mais ton 10 jours détox, ça vaut la peine aussi. Je vais aller voir. Donc, absolument. Je vais aller me renseigner. C'est un programme que tu as? Bon, oui, c'est un des webinaires. C'est un soir, celui-là, je le fais avec Valérie. Et là, on parle justement du pourquoi, du comment. Puis avec Valérie, ce qui est le fun, c'est qu'elle te met des exemples concrets, très alimentaires, où tu n'as pas besoin de te prendre... Tu sais, quand on met le mot détox, ce qui choque beaucoup, puis moi, me rend un peu inconfortable, c'est toutes les cures. Tu sais, les cures détox, où on te sert avec des laxatifs, puis du séné, puis du cascara, puis du ci, puis du ça. C'est dur sur l'intestin, puis tu n'as pas besoin de faire ça. C'est pas vrai, ça. Sauf dans un contexte super particulier avec un professionnel qui connaît sa job, qui n'est pas en train de te vendre quelque chose. OK, en Ayurveda, par exemple, les cures de détox font partie de l'Ayurveda. Mais ça te prend un thérapeute qui sait ce qu'il fait. Autrement, c'est un stress inutile pour ton corps. Ils vont manger beaucoup de riz dans les cures détox, eux autres. Hein. Ils font le kitchari. Ça se peut juste. Je mange ça matin, midi, soir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Ayurveda, les cures de détox sont en fonction du diagnostic. Ouais. C'est là où j'aime pas les cures qu'on vend en boîte. Parce que, tu sais, si tu as un intestin irritable, puis je te sac une cure dans laquelle il y a un petit peu trop de laxatif puis de plantes amères, tu vas avoir mal au ventre. Ça va être l'horreur. Ouais. Alors, il faut vraiment adapter à la personne. C'est pour ça que moi, j'ai tendance, fais attention, parce que je vois tellement de gens dans mon bureau, là, ou à la pharmacie à l'époque. Tu sais, j'ai pris telle affaire, puis j'ai mal au ventre. Ben oui, parce que telle affaire, tu sais, fais pas ça. Fais telle affaire à la place, tu sais. Puis là, ça m'amène à l'intervention. Alors, alimentaire, on a parlé des légumes verts, on a parlé des fibres, on a parlé de boire de l'eau.
Cool. Tu as parlé des saunas. Dans le cas des saunas, pour les pesticides, et les, je ne le sais pas. Okay? Mais je sais que pour des substances, notamment des métaux lourds, notamment des substances comme des composés organiques volatiles, donc on est proche du monde des perturbateurs hormonaux, le fameux docteur Wu qui a supervisé le traitement des répondants du 9-1-1, là, du 11 septembre, tu as travaillé avec les saunas infrarouges. Et d'ailleurs, j'ai fait un truc pour toi au niveau des saunas infrarouges. C'est fascinant, la doc qui est là. Oui. Ça a l'air tout à fait... OK, un sauna. OK, pourquoi le sauna infrarouge? Bien, parce que c'est pas le sauna qui te chauffe, c'est les infrarouges qui font que toi, tu chauffes. Ils pénètrent plus profond, puis ta capacité d'excréter augmente. C'est fascinant, cela, là. Puis j'ai des anecdotes. Tu sais, Gilbert, j'en ai parlé, qui travaillait au Spa Eastman, qui est maintenant retraité, un homme tellement gentil. C'est un ancien mineur de la Côte-Nord. Puis quand moi, je le rencontre, il est en charge des bains à l'extérieur. Puis c'est le genre de bonhomme qui vient de porter une serviette le soir, puis c'est comme tellement prévenant. Mais le monsieur, il raconte qu'à la fin de sa carrière de mineur, il va voir une naturopathe qui dit « Toi, là, pour tous tes problèmes, là, fais des saunas. J'en ai un ici, mais fais des saunas infrarouges. » Puis la première fois qu'il fait ça, il a une serviette blanche, puis en sortant du sauna, la roule pour ne pas la montrer à personne. Parce qu'il y avait une immense cerne gris-noir tout le tour de ses fesses. Il avait eu peur. Mais à force de faire ça, cette élimination-là par la peau, imaginez, il a été travaillé 30 ans dans les mines, le monsieur. Là. Il y en avait du stock de prix dedans. Il a éliminé, éliminé, puis fou, la santé est revenue. C'est extraordinaire le feeling qu'on a de légèreté quand on sort d'un. Comme si on se libérait, tu sais, comme si. Parce que là, on a parlé des pesticides, on a parlé des perturbateurs endocriniens, des. Tu sais, dans le maquillage traditionnel. Oh. Puis, moi, c'est ça que je disais à Mia, les filles, les ados, tout ça, on ne savent pas que ça peut, que ça pas besoin, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir un impact dans les savons corporels. Tu sais, il y a tellement, tellement, tellement d'ingrédients. Pourquoi tu penses que je fais mon savon? C'est un petit peu bizarre, là. Oui, je sais que je suis un extraterrestre à bien des niveaux, là, mais je fais mon savon depuis des années. Je suis allé prendre des cours chez Coop Coco pour apprendre comment ça se fait, puis je le fais chez nous. Mais l'idée, c'est qu'un exemple d'un perturbateur hormonal, rien qu'un, encore, c'est une famille de molécules, mais un, les phtalates. Oui. C'est un nom impossible à prononcer, là, PTH, phtalate. PHTH, bon, anyway, c'est un agent texturant, c'est un agent plastifiant. Ça donne la texture aux substances qui autrement seraient molles. Les rouges à lèvres, entre autres. Et ça, c'est un perturbateur endocrinien extraordinairement puissant qui commence à être documenté, quand je te parlais de l'autre génération, là, chez les bébés, qui a des effets potentiellement cancérigènes, qui a des effets, tu sais, nombreux. Là, tu manges. Exactement. Les déodorants, là, même chose, Jean-Yves, des déodorants avec de l'aluminium pour pas qu'on transpire. Tu sais, exactement, toi, tu dis transpirer, il faut. Mais là, on met de l'aluminium. L'aluminium va. L'aluminium, écoute, l'aluminium, le zirconium, les deux, le chlorhydrate d'aluminium, chlorhydrate de zirconium, sont des astringents puissants. Ils vont littéralement bloquer ta glande sudoripare. Il y a d'autres substances beaucoup plus bénignes. T'sais, moi aussi, je fais dans le très, très produit naturel. Puis là, je vais penser à la sauge. Je vais penser à d'autres extraits botaniques qui ont des effets astringents, mais beaucoup plus bénins. Moi, j'ai été quelqu'un qui s'est préparé, quand j'avais ma pharmacie, des formulations pour moi, parce que mon problème de transpiration était monstrueux. En chlorhydrate d'aluminium, là, 25 % dans de l'alcool, là, pour arrêter. Puis encore là, quand j'étais trop stressé, plic, ça coulait pareil. Alors, j'ai comme trouvé d'autres choses à un moment donné pour que ça fonctionne, qui sont beaucoup plus bénignes. L'important, c'est, oui, diminuer la transpiration parce que c'est pas accepté dans notre société. Tu sais, le tour de bras mouillé, c'est donc pas beau. Mais on veut surtout pas sortir. Et il y a moyen de changer, d'altérer la structure pour que la transpiration ne sente pas. Mais ça, c'est un autre dossier. Est-ce que tu savais que l'huile essentielle de Santal, oui, s'attaquait à la bactérie responsable des mauvaises odeurs des aisselles et des pieds? Celle-là, je ne la savais pas. OK, parfait. Hein? En tout cas, mais moi, ce que je voulais parler, c'était que l'aluminium peut se loger, puis on ne sait pas où, et ça reste. Et on ne veut pas d'aluminium. OK. Dans les perturbateurs, dans les métaux toxiques, l'aluminium, pour moi, est en tête de liste. Même si la documentation est moins solide que le mercure ou le plomb ou le cadmium, où là, c'est clair. Un, il n'y a pas de rôle biologique de l'aluminium dans mon corps. Pas.
Hein, ça ne sert à rien dans mon corps. Deux, il y a une accumulation dans différents tissus, notamment au cerveau. Okay. Il est associé à des atteintes neurologiques, notamment l'Alzheimer. Il y a un débat monstrueux, savoir s'il est causal ou pas. Je m'en contrefous, il est dans le processus quelque part. Parce qu'à l'autopsie, on s'aperçoit que les gens qui sont morts d'Alzheimer ont une quantité d'aluminium phénoménale dans le cerveau. Donc, quelque part, il y a un rôle à jouer. Est-ce que, bon, tu sais, on peut manger l'aluminium, si on fait cuire des trucs dans l'aluminium, il peut avoir un transfert, on peut le manger, mais est-ce qu'un déodorant avec de l'aluminium peut monter jusque dans le cerveau? Il voyage dans le corps. En fait, directement, je n'ai pas la preuve que du déodorant, il monte au cerveau, mais j'ai la démonstration de l'absorption au niveau topique. Fait que ça, c'est quelque chose. L'autre affaire, c'est que les déos, on parlait des perturbateurs hormonaux, je vais vous en lancer un pavé dans la mare, là. Dans les déos, il y a souvent les fameux parabènes. Et on a, pas beaucoup, mais quelques papiers ont mesuré la quantité de parabènes dans les cellules cancéreuses de cancer du sein. Pour s'apercevoir que les quantités sont astronomiques par rapport à une cellule saine. Et vous ne serez pas surprise, mesdames, que le cancer du sein est principalement logé dans l'aile, la pointe du sein en dessous de l'aisselle. Est-ce que c'est juste une observation ou c'est une cause? Votre jugement est aussi bon que le mien. Mais l'observation est là pareil. Il y a des femmes qui protègent le féminin, là, qui parlent même de l'aluminium dans les soutiens-gorge. Je ne sais pas si ça peut avoir un... Mais je ne sais pas. Je ne sais pas moi non plus. Je ne sais pas. Parce que tu tournes dans la notion de l'armature et tout ça, là, c'est un débat un petit peu plus complexe. C'est comme ils sont entourés de tissus. Je vais être, tant qu'à parler d'aluminium, je vais être beaucoup plus inquiet des canettes d'aluminium qui sont enduites de plastique. Qui libèrent du BPA, mais ils sont en aluminium aussi. Les gobelets de lait, là, que ça soit du lait végétal, l'intérieur, c'est de l'aluminium aussi. En fait, les tétrapacs, il y a une feuille d'aluminium, elle n'est pas en contact avec l'aliment. Elle est comme la canette, et c'est appelé pellicule de plastique. C'est là où tu poses des grosses questions, là. OK. N'est-ce pas? C'est peut-être mieux de le faire à la maison, mais c'est là où il faut voir tout ce qu'on respire, ce qu'on met sur notre peau. Mais de là, mon raisonnement aussi, Jean-Yves, quand est-ce qu'on va changer les choses dans les hôpitaux, puis quand est-ce qu'on va donner d'autres crèmes pour les femmes qui sortent d'un cancer du sein? Par où il faut passer pour réveiller le monde? T'sais? Bon, là, écoute, à cette question-là, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas devin. Je vais te donner un point de vue d'un vieux cynique. La seule façon de faire changer un establishment, c'est de passer par la base. Plus tu vas ameuter la base et conscientiser monsieur et madame tout le monde, plus éventuellement les gens en poste vont avoir une pression pour changer. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas d'incitatif. Les produits que tu as en hôpital sont là parce qu'ils ont eu le meilleur prix lors de la négociation. Point. Le plus bel exemple, je me suis astiné avec une nutritionniste sur un supplément de protéines qui donnait aux enfants cancéreux. Puis là, je dis, mais pourquoi celui-là plutôt que celui-là? Parce que celui-là, il est listé au formulaire. Oui, mais pourquoi il est au formulaire? Parce que celui-là que tu trouves en boutique, en termes de formule, là, moi, je préfère celui-là que celui que tu donnes. Puis l'argument final, c'est qu'il est au formulaire. Mais pourquoi il est au formulaire? Parce que la compagnie qui le fabrique a soumissionné le plus bas. Donc, c'est une multinationale qui a les capacités de vendre à peu ou voire à perte. Pour gagner le marché. C'est juste ça, la dynamique. Tu sais, quand on accouche, ils nous donnent des couches. Et les couches sentent le parfum. Ah ben oui! Ah. Des lingettes qui sentent le parfum. Et dans les lingettes pour bébé, il y a aussi des agents de conservation. Ben, certainement. Il y a des ingrédients, on n'y pense pas. Moi, c'est comme, je trouve ça, en plus, c'est froid. Tu sais, mais... C'est partout. Les fragrances, les agents de conservation sont partout. Puis on va mettre. Après ça, on se demande pourquoi notre enfant les fait s'irriter. Tu sais, c'est un non-sens. Et c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas à l'irritation. C'est que ça pénètre. Bien, c'est sûr. Surtout la peau de bébé, qui est beaucoup plus fragile, beaucoup plus fine que la vieille peau épaisse comme la mienne, là, tu sais, qui est blindée. Et c'est ce que Mia aussi rappelait, c'est que pour les plus jeunes, les organes sont pas tout finis non plus. Puis on est là, puis on se met plein de perturbateurs endocriniens. C'est ma question tout à l'heure où j'ai pas la réponse. Est-ce que tout ce qui se passe dans la jeune population
de questionnement de l'orientation sexuelle, est-ce qu'il n'y a pas un rôle biologique transgénérationnel? Moi, je pose la question, personne ne va être capable de me répondre, là. T'sais? Puis je ne questionne pas l'individu qui est en questionnement, loin de là. Il vit quelque chose. Je parle d'un point de vue populationnel. Est-ce qu'on n'observe pas ce phénomène-là à cause de quelque chose? Ou c'est simplement une libération de quelque chose? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose à poser comme question. Pourquoi on n'offre pas des fibres en capsule? Parce que les fibres, quelqu'un pose la question, les fibres doivent former le mucilage pour aller... Il y a deux aspects à cette question-là. La première question, tu viens de la dire, une fibre, pour que ce soit efficace, il faut que ça s'hydrate. Donc, il faut que ça se mélange à l'eau le plus vite possible dans le système. Parce que il y a des années, on en vend encore des petits jouets que tu mets dans l'eau qui gonflent, dans les petites capsules. Il y a des enfants qui les ont avalés, qui ont bouché leur intestin. Ceci étant dit, les fibres ont besoin d'eau pour gonfler et plus vite dans le système ils gonflent, ils prennent leur espace flou, plus ils sont efficaces. Mais la deuxième idée a sauté. Hey, j'ai eu ça quand ça arrive. Mais pourquoi la question c'était... Oui, OK. La question c'est qu'une capsule, pourquoi une capsule ou une pilule, c'est pas nécessairement une bonne idée? C'est parce que la dose des fibres, ça se travaille en grammes. Plusieurs grammes pour être efficace. Une capsule, gros max, tu vas avoir 500 mg, donc un demi-gramme. Fait que si vous êtes prêt à prendre 22 capsules, cool. Mais moi, je préfère une cuillerée, plus facile. Ben oui, et moi, une grosse cuillerée à table. Mais c'est agréable aussi de prendre des fibres. Il y a quelque chose de vraiment très satisfaisant. Et moi, j'adore, tu le sais, moi, ma philosophie à moi, c'est de commencer mon matin en me nettoyant. Tu sais, en nettoyant, justement, en libérant l'intestin pour que je puisse éliminer ce qu'il n'y a pas d'affaires là tout au long de la journée, mon système. La lymphe, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une lymphe qui est... Bon, OK. Avant d'aller à répondre à ta question, on va définir de quoi on parle. OK? Il y a deux grands liquides dans le corps. Le premier, c'est le sang, qui circule en circuit passablement fermé, artère, artériole, capillaire, vénule, veine, cœur, puis repart. OK? Puis il passe au poumon. Mais quand, rendu au bout, là, quand on a les très, très petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires, il sort, il va nourrir les cellules, il libère le sérum ou le liquide interstitiel entre les cellules, mais il y en a une partie qui reste là, qui n'est pas ramenée. Et donc, on a un autre circuit, qui est le circuit lymphatique, qui, lui, va aller drainer tout ça pour le ramener au cœur. Et ce circuit-là, il est en périphérie, il est le long de la peau. Il est un circuit subtil, on vient de le cartographier. Tu sais, les artères, les veines, là, c'est vieux comme le monde, ça a été cartographié au Xe siècle, je ne sais pas trop quand, là. On connaît ça. Mais la cartographie du circuit lymphatique, c'est il y a quelques années à peine. Parce que les vaisseaux sont très ténus, ils sont juste en dessous de la peau. D'ailleurs, si vous avez un drainage lymphatique, vous allez être surpris comment c'est subtil, puis c'est soft, puis c'est comme ça. C'est léger, léger, léger. Puis c'est redoutable l'efficacité que ça a. C'est comme, wow, ça fait un effet. Alors, et c'est une technique très, très particulière. Ce n'est pas un massage classique. C'est vraiment un drainage lymphatique. L'autre aspect de ce circuit-là, de ces petits canaux partout qui drainent l'excès de fluide, va passer par les ganglions lymphatiques. Les plus connus sont ici. Les ganglions maîtres, mais on en a à toutes les jointures. C'est pas compliqué, là. Les aisselles, les aines, puis un peu partout dans le corps. C'est une place où ce liquide-là arrive dans une structure qui a pour but principal d'observer y a-t-il du danger. S'il y a du danger, j'ai un afflux de globules blancs qui vont bouffer le danger dans le ganglion. C'est pour ça que nos ganglions, quand on a un rhume ici, là, bout, ils grossissent. Alors, les ganglions font partie du système immunitaire et du système lymphatique. Alors, c'est comme des polices, c'est des stations de douane, si tu veux, à chaque fois que ça passe. Puis, rendu ici, bien, ils retombent 24, puis ils rentrent dans le cœur, puis ils repartent. Alors, la lymphe, la meilleure chose que je peux faire pour améliorer son travail, c'est bouger. D'où la notion de l'activité physique comme outil de détox. Non seulement ça me fait transpirer, comme le sauna, mais ça va faire bouger les liquides. Et encore là, je reviens avec ma définition d'activité physique, quelque chose qui me fait transpirer puis qui me fait respirer, qui me donne chaud. Point. Je n'ai pas besoin d'avoir un sport particulier pour avoir le bénéfice.
Mais l'idée, c'est que plus j'active ce mouvement-là, et il est vraiment activé par mon mouvement, là. Il n'y a pas de muscle là-dedans, contrairement aux artères qui partent du cœur, qui pompent. C'est pour ça que je suis capable d'avoir mon pouls ici. Je le ressens, parce que des muscles, ils le gardent. Mais dans mes veines, dans mes canaux lymphatiques, j'en ai pas. Alors, je draine par là. Alors, je peux aller une étape plus loin. L'activité physique, régulière, quotidienne, variée, go. Suivant, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir des drainages lymphatiques? Là, tu peux travailler avec quelqu'un qui va te faire des massages. Et si tu as quelqu'un de compétent, il va commencer par regarder. Avant de te faire un massage, il va te regarder puis il va te tâter à différents endroits, dire oui ou non. Exemple, si tes ganglions sont enflés là, il va dire non. Tu es en train de combattre quelque chose, on le fera quand tu seras plus ça. Parce que c'est la porte d'entrée majeure. Alors, les drainages lymphatiques sont utiles. Exemple, à l'époque où je travaillais debout, comme pharmacien propriétaire, avec des heures, des heures, des heures, des heures. Tu sais, les pharmaciens, les infirmières et les serveuses, là, on est debout. Pharmacien, pharmacienne, parce qu'il y a plus de pharmaciennes que de pharmaciens. Ceci étant dit, j'ai eu des varices, OK? J'ai encore des varices qui datent de cette époque-là. Pas des grosses affaires, pas douloureux, mais j'ai été 20 ans debout. Alors ça, qu'est-ce que tu veux, ça laisse des traces. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à cette époque-là, je suis allé dans un spa et j'ai eu le traitement des bottes, je ne sais plus du nom, là, qui vont faire, qui vont pulser. Tu as une pression sur toute la jambe, puis ça pulse, puis ça tire. Tu es assis, les jambes un peu plus haut. C'était le bonheur. Ouais. Parce que ça venait drainer quelque chose qui était par la gravité ancré vers le bas. Mais il y a quelques années, je refais le même traitement en me souvenant du bonheur que c'était. Je fais, c'est bien plate, cette affaire-là. J'ai plus pas d'effet. De j'en avais pas besoin. C'est, mon point, il est juste là. Le drainage lymphatique, il est fonction du besoin. Alors, il y a des plantes qui peuvent faire ça. Le mélilo fait ça. C'est un draineur du système lymphatique à tel point qu'il est approuvé par Santé Canada pour les lymphédèmes. Je peux-tu le rajouter dans notre liste? Je t'écris une petite note après. Écris-moi des petites notes, là, parce que oui, il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Là. Le mélilo est un des symptômes d'engorgement du système lymphatique. Et ce n'est pas un symptôme exclusif, faites bien attention. C'est un symptôme qui est associé, mais qui n'est pas nécessairement causé. C'est les jambes et les pieds enflés. Si on a les jambes et les pieds enflés régulièrement en fin de journée, le plus souvent, c'est une insuffisance veineuse qui va éventuellement me donner des varicosités, des varices, etc. Mais ça peut être aussi associé, ça vient en même temps, une insuffisance lymphatique qui a de la misère à drainer. Je disais, faites attention, parce que c'est pas la seule cause. Des pieds enflés, ça peut être un symptôme d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est une indication médicale dramatique. Il faut vraiment voir le médecin. Moi, si quelqu'un vient avec ces symptômes-là, je vais dire, t'as-tu vu ton médecin là, avant de faire quoi que ce soit? Mais les jambes enflées, tu sais, avoir des sensations d'aiguille d'un pied, les pieds enflés, c'est souvent juste une question de drainage. Puis ça, il y a des plantes qui vont aider, le marondaine va aider, les polyphénols vont aider, comme le pycnogénol, les bordines plein. Là. En pharmacie, on a la diosmine, qui est à l'origine française et qui fonctionne super bien. Il y a plein de choses comme ça, le fragon. Et tu vois, Laurent parle des inversions en yoga, oui. T'sais, oui. Ça, c'est une bonne idée. Brossage à sec, j'aime ça aussi. T'sais, on le sent que la lymphe bouge. Bon, vois-tu, le brossage à sec, brossage ou pas, l'idée, c'est que tu frictionnes doucement. Mm-hmm. C'est pas, là, tu t'arraches pas la peau, hein. Non. C'est doucement. Donc, on est encore dans cette même notion-là, puis on travaille vers le centre. Alors, c'est tout à fait correct, ça. Puis c'est une façon de le faire. Moi, bon, un exemple. Une autre façon de tonifier ton circuit lymphatique et veineux, c'est la douche froide. Parce que la douche froide va aller tonifier littéralement, joute. Puis ça n'a pas besoin d'être moins un million, là, je n'ai pas besoin d'aller dans le lac l'hiver, mais juste une sensation de froid. Puis ceux qui veulent l'essayer, là, ou ceux et celles qui font une douche froide, après votre douche confortable, faites une chose. Mettez ça à froid, peut-être pas au plus froid, mais froid, puis reculez-vous, ou si vous avez une douche téléphone, ciblez les pieds d'abord, puis remontez, mais dites-vous une chose, ce n'est pas une agression, ce n'est pas une douleur, c'est une sensation. Et juste de changer dans votre tête que c'est une sensation différente, vous allez accepter plus facilement ce choc-là. Mais pour revenir les inversions, la table d'inversion, les inversions en yoga sont tout à fait bien, si vous êtes rendu là, bien entendu. Très, très intéressant. Je n'ai adressé qu'un point dans ma liste, comme toujours.
Donc, la semaine prochaine, on parlera de l'environnement, tu sais, de comment créer un environnement sain, puis les champs. Moi, tu sais, tu connais Stéphane Belinsky, puis ben oui. Chez nous en Ghostbuster. Puis, tu sais, tu as parlé un peu de comment que certains toxiques pouvaient imiter puis être dangereux. Lui, quand il a fait le recensement, je ne sais pas comment dire ça, dans notre maison, il a vu qu'il y a des vibrations d'un robot, qu'il y a un jouet pour enfants qui émettait les mêmes fréquences que le cœur. Puis il dit, Jacinthe, ça m'effraie d'entendre ça, parce qu'imagine, ça rentre dans le même circuit. Tu sais, c'est toutes des notions qu'on ne pense pas à bon, ça, et ça c'est... réveille. Oui, ben c'est des notions qui sont, tu sais, Stéphane Belinsky, E3M, son site web, si mémoire est bonne, allez voir, il est fascinant ce gars-là, il est vraiment fascinant, là. Puis c'est une des sommités de son domaine au Québec, puis il passe pour un hurluberlu tellement il va loin, là, mais il est très, très compétent. Mais ce qui se passe, c'est que, oui, il y a des perturbations électromagnétiques, c'est une chose, mais nous sommes des êtres complexes, nous sommes des machines électriques, à preuve, on peut nous mesurer plein d'affaires avec des électrodes. On peut agir sur notre cerveau avec des champs électromagnétiques, les résonances magnétiques, les stimulations électromagnétiques du cortex. C'est toutes des choses qui sont en développement, là. Les neurosciences nous montrent ça. Puis de l'autre côté, on nous dit non, les cellulaires puis les sans-fils, tout ça, n'ont pas d'impact. Allez, oh! Donc, oui, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Il y a des façons de se protéger. Et un dernier point qu'on va toucher à ce sujet-là, là, sans tomber dans les détails, il y a une épidémie en ce moment d'acouphènes. Ah oui. L'acouphène, c'est ce bruit qu'on entend insidieux, différents volumes, habituellement dans des tonalités élevées. En québécois, on dit cilé, des oreilles qui cilent. Mais j'en ai un, OK? Moi, j'en ai un depuis des années. Et c'est un symptôme d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques. Alors, si vous avez un acouphène traumatique, vous avez écouté de la musique forte, vous avez été comme mon père avait un acouphène parce que dans l'armée, il a fait de la carabine sans écouteurs, puis il y avait un acouphène traumatique. Vous êtes un travailleur de la construction, vous avez un acouphène traumatique. Ça, c'est une chose. Vous avez eu des écouteurs trop forts. C'est tous nos jeunes avec le iPod dans les oreilles. Mais au-delà de ça, il y a bien des gens. T'sais, moi, j'ai des écouteurs, OK, jamais trop forts, puis c'est pour une raison de confidentialité et de qualité de son. Quand je fais mes consultations, j'ai toujours mes écouteurs parce que je ne veux pas que les autres entendent. Alors ça, c'est une chose. Mais avant que j'utilise des écouteurs, depuis que je suis dans la région de Montréal, j'ai plus d'acouphènes. Et je ne suis pas tout seul. Dans la liste des symptômes, c'est un des symptômes intéressants. Alors, sachez-le. Alors, on y reviendra parce que moi, ce que j'ai compris avec lui quand il est venu, parce qu'on vit dans une maison, que les murs sont épais comme ça, et c'est nous qui créons, là, maintenant, j'ai tout changé, les ampoules, tout, mais les champs. Fait que c'est intéressant de comprendre ça, puis en tout cas, d'en parler aussi. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Alors, j'ai dépassé ton temps, mais si vous êtes intéressé comme moi par la détox du jour, vous allez sur le site de Jean-Yves. Même les webinaires qui ont été faits, on y a accès. Tous. L'ostéoporose, si vous voulez vous enregistrer puis être live témoin de ton webinaire le 3. Dans le livre, tu sais, tout y est aussi. Tu parles de tout. Tu vas parler autant, tu sais, de style de vie, de dodo, d'alimentation, d'impact de tout ça sur notre santé. Donc, c'est vraiment la base, tu sais, pour. Puis après ça, on approfondit. Ensemble, d'assister direct aussi, nous, puis on continue un travail, ton travail d'informer les gens sur ce qui est important, puis d'être, Jean-Yves, ce qu'on aime, c'est qu'il est sur la clôture du milieu, entre les alternatives, puis l'établi. Oui, puis je veux juste rajouter une chose, la seule personne qui peut avoir une action sur votre réalité, c'est vous-même. Absolument. Pointe à la ligne. Moi, je suis juste un conseiller, là. Moi, j'ouvre des portes, j'ouvre des fenêtres, à vous de les utiliser. Et si vous voulez aussi, Jean-Yves peut vous avoir en consultation privée. Donc, sur son site aussi, vous avez le lien pour ça. Et c'est 1h30 de bonheur sur vous avec Jean-Yves, qui va vous parler de tout selon vous, tu sais. Ben oui. Et nous, on va continuer. Donc, jeudi prochain, à 3h, on continue nos rencontres. Puis, on reparlera de tout ça, là, et en commençant. Jeudi prochain, je ne peux pas. Ah, vendredi?
Non, vas-tu, je suis au Spiceman de jeudi à dimanche pour la fin de semaine. C'est tonique en pratique. J'anime avec ma conjointe Michelle le comment manger plus faible en glucides et toujours aussi plaisant. Alors, Wow. c'est au Spiceman du 27, enfin jeudi au dimanche. Est-ce Fait que que je suis là. mercredi, tu es en Ben, consultation? mercredi, je suis là-bas en train de préparer. Parce Donc, que normalement, au mercredi, je suis en consultation. Mardi, mercredi, c'est mes journées pleines, là. OK. Puis là, ben, c'est ça, la semaine prochaine, je suis un petit peu obligé de dire, ben, je serai pas là parce que Ben, je suis alors, pas là. on se reverra le La jeudi semaine suivant. suivante. Donc, c'est un congé la semaine prochaine. Ouais, un congé de live, disons. C'est ça, c'est ça. Oui, puis ben, avant d'aller en France, il va passer par la Côte d'Ivoire, mais le livre de Jean-Yves est en France aussi. Oui, ben, la France, oui, je veux bien y aller en France. Pour l'instant, je n'ai pas de projet en France. Si vous voulez me faire la piste là-bas, j'y vais quand vous êtes prêts. Ça me ferait grand plaisir. Et chaque fois que je suis allé faire des événements en France, c'était le bonheur total. Voilà. Ouais, j'imagine, parce qu'il y a des ouvertures, tu sais, moi j'ai l'impression qu'on commence ici, au Québec, mais il y a des ouvertures là-bas où on est plus, on travaille plus avec les plantes. Il y a quelque chose d'établi, tu sais, ailleurs, ici, c'est nouveau, tu sais. Chacun ses défis, hein, parce qu'on dit toujours c'est mieux ailleurs, puis les gens qui nous regardent, c'est mieux chez nous. On a tous des défis différents. La France a un historique plus ancien que le nôtre. Les pharmaciens sont plus formés dans les plantes médicinales, mais en même temps, ils ont des défis structurels complètement différents des nôtres, puis l'accès n'est pas nécessairement plus facile là-bas. Il faut Absolument. voir Absolument. avec eux. Merci Jean-Yves. Merci Salut tout le beaucoup. monde! Bye bye. Bye bye!